Les deux traits là ont apparu. Oui. D'accord. Ok. Ici, ça c'est déjà l'enceinte de la cour sainte. La cour sainte. Et j'ai demandé au chargé de décaler l'entrée principale de la cour sainte du côté de l'ouest. Pour que directement on puisse voir l'est pour sanctifier qui de droit. Donc, ça c'est la lutte de la cour sainte. Ça, c'est une très bonne chose. Mais l'espace qui reste, ça veut dire que les 11 mètres et demi qui restent sur le deuxième lot, on doit construire ici un podium de prestation de chorale. On doit construire ici un podium de prestation de chorale qui doit regarder vers l'ouest. De sorte que quand on met les bâches de l'autre côté, parce qu'il y a une route de 20 mètres qui est à notre droite, ça va, au moment des prestations, au moment des grands événements, on peut déjà utiliser une partie de la route pour qu'on puisse vraiment faire nos prestations. Donc, c'est pourquoi j'ai demandé, c'est vrai, le président Boiseau a pu mettre ici les vestiaires. Ici, c'est vrai, il a pensé bon, mais je vais lui demander son indulgence pour que ça soit déplacé. Ça soit remis du côté du parvis, c'est-à-dire derrière le temple. Ouais, derrière le temple, alors ça va être remis dedans. Ça va être déplacé. Parce qu'il faut que l'espace soit dégagé. On met le podium là-bas. Le podium qu'on doit construire, ça doit faire 8 mètres sur 6. Ça doit faire 8 mètres sur 6 et ça va regarder parce que on fait en sorte que sur le podium, on puisse mettre une bâche dessus pour pouvoir protéger les touristes qui vont prester. Ou bien au moment de délivrance, celui qui doit faire, comment dirais-je, son oraison de prêche, doit quand même regarder ici. Donc, ça, parce que c'est ça qui fait le sens de cette paroisse chose. Les délivrances, les veillées de prière, les prédications publiques, etc. Donc, c'est ça qui va faire. Donc, la route, le bois que vous voyez là, c'est une route qui traverse. Donc, quand les fidèles vont venir de la ville, ils vont prendre la route pour aller se faire sanctifier à l'entrée à l'entrée ouest du temple. Et puis, rentrer dans la cour sainte et faire quoi que ce soit. Mais cet espace-là, il faut qu'il soit, comment dirais-je, utilisé pour... Les manifestations publiques. Parce que le président Domoro aime les manifestations publiques. Donc, c'est ici qu'on doit mettre le podium. Bon, je pense que je suis malade, je ne suis pas venu à temps, mais je demandais l'audience à, comment dirais-je, au président Boiseau. Il va déplacer ça. Il faut qu'il déplace ça. Ce n'est pas gratté. On peut creuser, enlever le truc avec ça et puis bon, remettre de l'autre côté. Ça, c'est rien. Ça va, c'est fait. Donc, vraiment, je vous remercie. Je vais rendre fidèlement compte au président Domoro que tout est déjà prêt, juste après l'inauguration de la grande paroisse internationale Monsnaï de Gonzac. On va faire le cap à Iré parce que tout est déjà fin prêt au nom de Jésus. Merci. Voilà. Maintenant, ce qui reste dans l'urgence, on avait déjà parlé de ça avec le président Assi Domoro, le président national, qu'il fallait un groupe plus solaire. Voilà, qui coûtait 400 000. On avait déjà fait commander le devis avec le président. Maintenant, juste après, comment dirais-je, l'inauguration de la grande paroisse, avant de revenir ici, il faut qu'on ait déjà ce groupe électrogène, pas groupe électrogène. Comment on appelle ça même? Énergie solaire. Énergie solaire. Voilà, énergie solaire qui va nous permettre, parce que ici, nous sommes à presque 500 mètres de la ville, bon, 800 mètres de la ville, presque 1 km. On ne peut pas faire les niches pour venir ici. En attendant que tout le monde puisse construire, et puis bon, les choses peuvent venir. Donc, ce qui est urgent maintenant, pour qu'on puisse, venir travailler, déjà faire commencer, c'est d'abord l'énergie solaire. C'est l'énergie solaire qu'on doit maintenant mettre rapidement. Et je pense que quand le président Domoro lui-même va arriver ici, il sera vraiment étonné des travaux qui sont, en tout cas, faits ici. Et, en tout cas, c'est la gloire de Dieu. Remercions-le parce que c'est lui qui a investi, c'est lui qui a acheté tout ce qui a lieu d'être fait avec l'aide du président Boiseau.